sais qu'il y a des gens qui seraient prêts à vendre le rein de leur enfant pour de l'argent. Ah oui? Ouais. Mais ça se vend bien. Une lettre recommandée? On ne va jamais chercher l'être recommandé. C'est jamais des bonnes nouvelles. Grand-mère, on irrite si je suis grand-mère. T'as raison, trouvons un amoureux, Henriette. Pas un amoureux, un amoureux. Bah si, un amoureux, on fait pas un enfant avec le premier venu. Oh, avec un petit peu d'alcool, on y arrive très bien. Alors, Henriette, on va se prendre une petite pizza 4 fromages. 4 fromages, on est bon, on fait pas mal au cochon. Mais non, on n'est pas bon. Ah bon? T'aimerais bien, toi, sa maman, te faire traire toute la journée? Toute la journée, peut-être pas. Il y a des garçons avec vous dans le groupe? Oui, oui. C'est quoi ces questions? Mais rien, rien. C'est normal que ton papa se renseigne sur les personnes avec lesquelles tu passes le plus clair de ton temps. Bah, ils sont très sympas et j'ai 25 ans, je vous rappelle. Ah, 25 ans déjà. Un jour, on se réveille et boum, on est ménopausé. Alors, c'est vrai qu'on s'est toujours dit que vu ton physique, il fallait mieux miser sur tes études. L'Islande? Mais c'est une super idée, ça, l'Islande. Et tu sais qu'on pourrait y aller à vélo, ce serait vachement mieux pour l'empreinte carbone. Moi, je mettrais celle-là. Bah, elle est complètement en flou. Bah, justement. T'as espagnol, Michel. Dolce Vita, voluptueux. Tu veux pas rajouter chaudasse quand même? Non! Bon, je te reconnaîtrai comment? À ma photo. C'est tout ce que j'ai réussi à sauver. Mais non, parce que la grosse, elle était pas enceinte, elle était juste grosse. Avec un taux de cholestérol à faire pâlir une paquette de beurre. Oh, quelle mère ne voudrait pas le bonheur de sa fille? Moi, pendant longtemps, j'ai eu un doute. Hein. Oh. Ah non, c'est ton bonheur que nous voulons. Ton bonheur fera le nôtre, je peux te l'assurer. Mon amour s'appelle Sophie. Ah, je vais crever. Mais pourquoi me faire ça à moi? Pourquoi? Mais non, mais attendez, vous m'avez dit que l'important, c'était mon bonheur. Bon, on pensait pas à un bonheur comme ça, on pensait à un bonheur... Un bonheur? Bah normal, un bonheur normal, parce que là, pour le coup, on risque vraiment de perdre ta mère. Oh, 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 oh. Mes espoirs de guérison s'envolent. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, on s'en fout. Profite de cette merveilleuse vie qui s'offre à toi. Maintenant, te voilà orpheline. Voilà, Sophie et moi. Sophie et moi, vous avez quoi, conduire des camions? C'est plus fort que moi. C'est qui? Jean-Claude. Ta mère n'a jamais été Jean-Claude. C'est de l'aspirine au cas où. T'as mal à la tête? Non, c'est pour toi. Mais non, mais j'en ai pas besoin, je vais très bien. Eh ben ça tombe bien. Tu vas me faire un enfant et on le donnera à Henriette. Ben non, c'est trop loin là. Tu crois? Oui, on fait l'enfant, elle l'adopte. Elle va adopter son frère. Pour 10 millions d'euros, y'a pire.